Et coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Donc c'est parti pour ce quinté qui va se dérouler aujourd'hui sur l'hippodrome de Cabourg. Voilà, ça sera nocturne. Ce sera une course sur les 2750 mètres. Il y aura un deuxième échelon qui va partir 25 mètres plus loin. Au total, il y aura 16 partants. Des chevaux qu'on connaît pas trop, hein. C'est une petite catégorie course E, donc attention aux outsiders. Voilà, donc moi mon pronostic, mes trois bases, ce sera le 14 Braco, vu les courses qu'il fait dernièrement, la belle course qu'il a fait à Vincennes où vous finissez quatrième de Colonel, Côte des Essarts, Bibop au fort. Pour moi, il peut jouer les premiers rôles, cheval dur. Même s'il doit rendre 25 mètres, le déferrage des 4, ça va lui apporter le plus. Le 16, Clyde Barrow avec Yo-Yo le Bourgeois. Voilà, un bon cheval, en forme. Lui aussi, déféré des 4. Voilà, doit lutter pour la victoire. D'ailleurs, je vais mettre le 8, Coup Chanceux. Ben lui, on va lui déférer les 4 pieds. On va lui mettre Raffin dessus. Donc, ça fait déjà 2 bonus. Voilà. Il a déjà couru des bons petits lots. Attention à lui. Derrière, je vais mettre l'As, Boxeur des Beaux. Il adore Cabourg. Attention à lui. Un cheval qui est en forme aussi. Voilà, il peut se placer. Le 6, c'est Caporal Laborie avec Franck Nivard. C'est un duo qui avait bien marché déjà. Voilà, attention à eux. Et le 9, Calimero di Tiol. Même qui va courir. Ferré, parce que dernièrement il était toujours déféré des 4, même Ferré, je crois capable de lui prendre une place. Donc Joël Allais, on connaît. Des fois il déféré des. Il court Ferré, mais Joël Allais, s'il peut se placer, il va se placer quoi. Donc attention à ce 9. Et en cas de non partant, je mets derrière, mais vraiment derrière, le 13 et le 15. Voilà. On sait jamais, il peut quand même venir, même si le 13, je suis pas trop emballé qu'elle soit que des ferrés des intérieurs qu'elle est en 25 mètres. Et ce 15, tout le monde le voit beau, donc attention. Hein. Voilà, moi j'ai quand même mis le choix de le mettre juste en 7e, 8e position. Voilà. Donc le débriefing du quinté d'aujourd'hui, c'était du plat. Donc sur mon ticket à moi. On n'a que le 14 en base, le 2 et le 3. En cas de non partant, j'avais dit le 7. Donc, sur mon ticket du flambeur, il me manquait que le 6 pour avoir un désordre. Et dans mes bases, on n'a que le 14. Donc, dommage, voilà. Ce n'aurait eu ce 6 dans le ticket du flambeur, on aurait eu un petit désordre en 8. Mais bon. Moi, ce que je préfère, c'est quand je fais mon ticket. Le couplet caisse. Ah ben, le couplet caisse, comme j'ai dit, si les deux étrottés, il n'y aurait pas course. Pardon, c'était la 8e course à Beaumont de Lomagne. Les deux chevaux de classe, Cap de Normand et Dimoco de Jamac. Voilà. Bon, c'est des petits gains, mais ça rentre toujours, donc ça fait plaisir. Voilà. Donc, encore un couplet caisse dans nos poches. Demain. Donc, demain, j'ai fait trois petits jeux. Déjà, il y a un couplet caisse. Dans la troisième course, ici, à Marseille-Bourrilly. J'ai pas marqué, mais j'aurais dû le mettre. Marseille-Bourrilly, Réunion 6. Troisième course, il y a Christo. Voilà, vu avec Michel Noir. Hein, vu les courses qu'il fait. Voilà, il court les GNT, lui. Donc attention. Et j'ai bien mis American Dollar. Surtout, dernièrement, hein, il finissait deuxième. Il devançait Dream de la série. Donc voilà, c'est pas rien. Voilà pour ce petit couplet caisse. Là, sur la réunion de Cagnes-sur-Mer, je vais tenter un report en 5 placés. Oui, je suis fou. Hein. J'ai mis 6 chevaux, mais bon, faut tenter. Voilà. Donc, à la première course, Fabulous Jet avec Martens, déféré des postérieurs. Honnêtement, il est à net retard de gain. Il peut déjà gagner demain. La troisième course, comme je l'ai dit, 315 Christo. Le 47 Balbir. Voilà, une bonne petite course, je crois que c'est une course de groupe 3.
Vu Lolo, voilà, comment il doit gagner. Le 511, course d'apprenti. Pour moi, dans cette course, je vois que Don Kismi parce il court des lots plus relevés. Donc, c'est à son apprenti de faire le taf. Le 611, Eliab Mip, qui a les déférés des 4, adore Cagnes-sur-Mer. Donc, attention. Et le 714, Escapade du Dijon, qui revient aussi à Cagnes-sur-Mer, où il détient une belle victoire et je crois une deuxième place dernièrement. Donc, voilà, à garder. Ça, c'était pour l'aéroport simple placé. Et sinon, il y a un report, j'ai fait que deux courses à Cagnes-sur-Mer, un report couplé gagnant placé. Donc, ce sera la troisième, comme je vous ai dit, Christo et American Dulor. Et dans la sixième, Eliab Mip avec du 614 Éclair Magique que j'aime beaucoup. Donc voilà. Mes petits jeux, mes petits reports pour demain. Donc moi mes amis, moi je vous dis bon jeu et bon pronostic. Ciao ciao!